Nous partons pour le nord du Japon, le Tohoku, peuplé de volcans, de forêts et de côtes escarpées. Les traditions y sont à l'image des hivers rugueux, à la fois solidement ancrés et parfois rudes. On y parle le Tsugaru. Pour découvrir cette région, nous suivrons Teiji, guide de haute montagne, fin connaisseur de cette nature qui habille les volcans, de ces paysages étonnants, de cette culture dont ils sont si fiers. La péninsule de Tohoku se situe à l'extrémité de l'île d'Honshu, l'île principale du Japon, à environ 680 km de Tokyo, la capitale, entourée par la mer du Japon et l'océan Pacifique. Au pied de la ville d'Hirosaki, le mont Iwaki est plus qu'un volcan. C'est un lieu sacré qui rythme la vie locale, que ce soit par ses nombreuses sources d'eau ou la profusion de plantes comestibles qui poussent sur ses pentes. Plus bas s'étend la forêt de Shirakami, une forêt primaire classée depuis 1993 au patrimoine mondial de l'humanité. Teiji emmène un groupe d'amis en parcourir quelques sentiers. En ce mois de juin, la nature est en pleine ébullition. Oiseaux, insectes s'expriment sans retenue. Dans son groupe de clients, Teiji a convié Hiro. L'hiver, ils travaillent ensemble comme moniteur de ski. Il vient de l'île d'Hokkaido, plus au nord. Il a rarement l'occasion de découvrir la forêt l'été. Teiji est intarissable sur les plantes endémiques, les arbres, sans oublier tous les animaux qui peuplent la forêt. Les chasseurs locaux m'ont expliqué que les ours aiment bien l'odeur de la peinture sur ce panneau. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont grignoté. Ici, Teiji explique comment certains ours, à l'aide de leurs griffes, arrivent à grimper suffisamment haut pour aller cueillir des baies. Les traces sont éloquentes. À Hirosaki, la ville située au pied du volcan, il reste quelques vestiges historiques. Des temples pour la plupart qui sont en bois et qui ont été pour certains restaurés. La tour principale du château d'Hirosaki a été reconstruite en 1810. Elle avait été détruite en 1627 par un incendie. C'est à proximité des remparts que l'on trouve ces figurines géantes, les Neputa, fabriquées à partir de papier de riz qui sont un des symboles forts de la ville. On y représente des scènes historiques ou encore des guerriers samouraïs. Les motifs d'Hirosaki sont inspirés de légendes héroïques de la Chine ancienne. On est d'accord dans le Tohoku pour affirmer qu'à l'origine, les Neputa viennent d'ici, à Hirosaki. Ils se sont ensuite développés dans la région, puis il y a eu des Neputa à Aomori. Ils ont eux aussi pris de l'ampleur et ils sont arrivés à Goshagawara. Chaque département, chaque ville a développé sa culture du Neputa avec son propre style. À Goshagawara, les Neputa peuvent atteindre 25 mètres de haut. On leur a construit un édifice dédié à leur fabrication et à leur stockage. Ils défilent dans la rue une fois par an à l'occasion d'un festival. Tout commence par un dessin choisi autour d'un thème qui a marqué la ville. Cette année, c'est l'incendie qui a détruit jadis la cité qui a été retenu. Les différentes parties de la figurine sont élaborées séparément par atelier. C'est une construction complexe, dans laquelle on fait également passer un éclairage. Tadashi est l'auteur du Neputa tout en étant le responsable de sa fabrication. Ici, il nous faut environ un an entre la première esquisse sur le papier et le dernier coup de pinceau. Là, nous sommes en juin et je suis encore en train de travailler à la fabrication pour le défilé d'août prochain. J'utilise du papier de riz, du washi,
J'ajoute du nylon pour que ce soit plus résistant et pour que ça résiste à la pluie. Revenant sur Aomori, la plus grande ville de la région, Teiji emmène son ami Hiro au marché aux poissons. Dans un bâtiment contigu, on peut y déguster la pêche arrivée le matin même. Un système de tickets achetés au préalable permet de faire un festin à un prix très raisonnable. Tout est cru, découpé en sashimi, complété par des œufs de poisson et des salades d'algues. La pêche est une des principales ressources de la péninsule. Au sud d'Aomori, les monts Hakoda sont constitués d'une chaîne de 12 anciens volcans. À leur pied, la vallée de la rivière Oirase, qui est sans doute une des plus belles du nord du Japon. Entrecoupée de chutes d'eau, de cascades, la rivière serpente ainsi sur 14 km jusqu'au lac Towada, où elle prend sa source. Le lac Towada est la plus grande caldeira sur l'île d'Honshu, l'île principale du Japon. Apparue il y a environ 55 000 ans, elle est le résultat de l'activité volcanique du mont Hakoda. Un volcan chez les shintoïstes est un lieu sacré. Il possède ainsi un temple qui lui est dédié. Dans les années 50, Tokaro Takamura, poète et sculpteur reconnu, a dédié au lac ses statues. L'eau ici est vraiment très claire. C'est de l'eau de source. C'est rare de trouver une eau aussi limpide au Japon. Pour ma part, je n'en ai jamais vu. Dans le Tohoku, le Tsugaru Shamisen est une musique traditionnelle qui connaît un regain de faveur. Les Japonais vouent une grande admiration pour les maîtres de cet instrument à cordes, le Shamisen. Shibutani Kazuo fait partie des grands spécialistes reconnus dans l'archipel. Il organise régulièrement des concerts dans son restaurant. Sur une guitare, on touche les cordes. Sur un shamisen, on pince les cordes plus fort. Voilà, écoutez. Voilà quand je les pince plus fort. Comme marque de respect, les Japonais rajoutent San au volcan Iwaki. L'Iwaki-san, donc, se dévoile rarement dans son ensemble. Lorsque le soleil est là, il faut savoir en profiter. Toute la plaine est couverte de pommiers. Ils donnent des fruits sucrés très recherchés dans tout l'archipel. Le reste de cette terre fertile est occupé par des champs de riz. Satoko, qui travaille l'hiver avec Teiji comme monitrice de ski, cultive aussi des pommes et du riz. Elle va repiquer avec son mari de jeunes pousses de Tsugaru Roman, un riz savoureux et adapté au climat de la région. Combien de temps faut-il pour faire pousser du riz ?
Il faut environ 3 semaines. Ah oui, d'accord. Pour faire du bon riz, on a besoin d'une eau de qualité. Est-ce que l'eau de Shirakami est bonne pour cultiver le riz ? Oui, je pense. Je pense qu'elle est très bonne. L'eau qui est dans les champs vient soit de Shirakami, soit de Taiyaki. Et de l'Iwaki ? Oui, aussi du volcan Iwaki et de Taiyaki. L'eau ruisselle jusqu'à nos rizières. Une fois qu'elle arrive dans les champs, elle rejoint ensuite la rivière. Cette parcelle ici, elle représente la consommation de riz pour ma famille pour un an. C'est ce que nous allons manger pendant un an. Teiji se rend maintenant au temple familial à côté de sa maison. Il a un autre métier. Il est moine shintoïste. Je suis le moine en charge de ce temple. Je suis la 18e génération à m'en occuper, de père en fils. Le shintoïsme, c'est être reconnaissant de tout ce que la nature apporte. Dans la nature, on trouve une multitude de dieux. Et lorsque je travaille comme guide, je garde cette vision du shintoïsme. Je peux ainsi transmettre à mes clients les murmures de la nature. Les Japonais vont en montagne pour l'exercice physique. Mais c'est avant tout un acte de purification, se rapprocher des dieux. Teiji emmène Hiro au sommet du volcan Iwaki, dont la dernière éruption remonte à 1863. De son sommet, à 1625 mètres, on aperçoit tout le nord de la péninsule. Pour récupérer de leurs efforts, Teiji emmène Hiro chez Ikuko Murakami. Elle tient un restaurant avec son mari, le Teiuchi Soba, installé au pied du volcan. Teiji a beaucoup de respect pour Ikuko, qui cuisine essentiellement des plantes et des légumes qu'elle va récolter sur les pentes du volcan. Ce sont beaucoup d'efforts, mais la palette de saveurs qu'elle propose est juste exceptionnelle. Son mari lui prépare lui-même des soba, des pâtes de sarrasin. Voilà, ce sont des wallabies, des petites fougères. Vous les mangerez avec de la sauce soja. Il y a déjà du wasabi dedans. Je suis allée les cueillir sur le volcan Iwaki. Pour le poisson, ne mangez pas la queue, c'est trop salé. Vous pouvez manger la tête et vous pouvez laisser les arêtes. Combien de temps mettez-vous pour cueillir tout ça ? Si je n'en prends pas beaucoup, ça va vite. S'il me faut de grandes quantités, ça me prend alors une journée complète. Ce que nous avons ici est une forme traditionnelle de sushi. Ikuko sert ensuite les soba préparés par son mari. Mon mari fait tout lui-même pour le soba. Il récolte le sarrasin, le conserve. Il utilise juste une petite machine pour le moudre. Sinon, tout est fait à la main. La pâte, la découpe, il le fait ici. Une bonne journée dans le Tohoku ne saurait être complète si elle ne se terminait pas par un onsen à l'auberge de Sukayu. Il s'agit de bains chauds alimentés directement par des sources provenant du volcan.
L'eau est très présente dans l'écosystème de la région. Que ce soit par la neige en hiver, les multiples sources qui traversent les volcans, sans oublier les nombreux lacs comme le lac Aoké, qui parsème le parc national de Tohoku. Elle permet d'obtenir notamment cette végétation dense et variée. Teiji explique à Hiro que dans cette forêt, la difficulté pour une plante ou un arbre, ce n'est pas de pousser, mais d'avoir accès à la lumière et si possible au soleil. Pour les arbres, il faut impérativement atteindre le sommet de la canopée. Au sol, ce sont surtout des variétés de fougères qui s'épanouissent. Elles apprécient l'ombre. L'eau de source qui coule ici, c'est l'eau de pluie qui date parfois de près de 100 ans. Elle est entrée dans le sol, s'est infiltrée à travers le compost. Elle contient plein de minéraux. Après un cycle complet d'environ 100 ans, l'eau ressort ici. Nous voici maintenant à l'est de la péninsule, sur la côte pacifique du Tohoku, autour d'Ashinoe. Dans le port, c'est un va-et-vient incessant de chalutiers qui sont en pleine campagne de pêche. La région est très poissonneuse, bénéficiant des courants qui descendent de la mer de Béring. La cuisine japonaise utilise beaucoup de poissons crus. La fraîcheur du poisson en est un élément primordial. Dans quelques heures seulement, tous ces poissons seront dans les cuisines des restaurants des grandes villes du nord de l'archipel. Au sud d'Ashinoe, la côte de Tanesai est une alternance de roches et de végétation battue par la houle. Elle est désormais protégée par le parc national de Sanriku-Fuko sur une douzaine de kilomètres. À Ashinoe, sur la jetée de Tateana, se tient le plus grand marché en plein air du Japon. Tous les dimanches matins, 300 vendeurs viennent proposer à près de 10 000 visiteurs des produits de la mer, des fruits et des légumes des environs. Têtes de bambou fraîches, fougères, ou encore ces fameux crabes géants du Pacifique. Ici, on fait griller des morceaux de tofu avec une sauce caramélisée. Le marché débute au lever du soleil vers 4h30 pour finir vers 8h. Là, des habitués attendent patiemment une livraison de champignons de la forêt des environs. En moins d'une demi-heure, tout sera vendu. Pour se réchauffer en cette heure matinale, les soupes et bouillons connaissent aussi beaucoup de succès. Teiji profite de tout. Araignées de mer, mollusques, coquillages, les prix sont de plus très abordables. Au nord d'Ashinoe, la côte est moins tourmentée. Quelques plages font leur apparition. La nature, les habitants, se relèvent à peine du terrible tsunami qui a frappé ses côtes en mars 2011. L'hiver, la neige rythme pendant plusieurs mois le quotidien du Tohoku.
à Hirosaki, la ville la plus proche du volcan Iwaki. Dès le mois de novembre, le temple de Saisho-in, qui date de 1667, est couvert de neige. Si on retrace facilement son histoire jusqu'au 8e siècle, à la période Heian, il est très probable que des peuples chasseurs-cueilleurs aient habité le Tohoku pendant la période Jomon, soit près de 10 000 ans avant notre ère. Tous les matins, les habitants doivent déneiger le trottoir devant chez eux, ce qu'ils font avec beaucoup de discipline en poussant la neige dans les égouts. En ce début d'hiver, Teiji a organisé une grande journée de prière avec plusieurs chefs de village des environs pour que l'an prochain, les récoltes de pommes et de riz soient bonnes. « 29e année de l'ère Eisei, au sanctuaire de Kumano, à Hamanomachi. Quand je suis moine, je suis les règles de la vie de moine. Mais je n'ai pas d'interdit concernant la nourriture ou la boisson. Mais à chaque fois que je prépare des journées de prière, je purifie au préalable mon âme. En dehors de ce travail spécifique, je suis une personne comme tout le monde. Je vous remercie très profondément de consacrer ce sanctuaire à Dieu. À partir du mois de janvier, il neige 4 à 5 jours par semaine. Aomori Spring est l'une des stations de ski installées sur les pentes du volcan Iwaki. Dans le Tohoku, les stations se résument souvent à deux bâtiments, un hôtel sur le front de neige et un lieu d'accueil où se mélangent vestiaires, location de matériel et restauration. Pour ce week-end, comme il a beaucoup neigé, Teiji accueille de nombreux clients. Pour encadrer le groupe, il a appelé en renfort son ami Hiro, qui vient de Sapporo, sur l'île voisine de Kaido. La clé du ski de randonnée, ce sont ce que l'on appelle des peaux, souvent en tissu synthétique. Leurs poils permettent au ski d'adhérer à la neige lorsque l'on progresse en montée. La première partie de l'ascension s'effectue par une piste située un peu à l'écart. Hiro assure la sécurité en queue de peloton. Il est guide. Il vient souvent en France avec des clients faire de la randonnée. Le vent commence à forcir. Teiji décide d'aller dans la forêt pour se mettre un peu à l'abri. Le niveau général est plutôt bon. Les gens de la région skient souvent le week-end. L'hiver, il neige quasiment tous les jours. Une neige légère qui ravit les amateurs de poudreuse. Teiji est souvent sollicité parce que, quelle que soit la météo, il sait quel itinéraire emprunter pour skier à l'abri du vent, tout en s'éloignant de la foule de la station de ski. Il est né au pied de ce volcan, puis a fait de la compétition de haut niveau. Aujourd'hui, sa personnalité fait le reste. Après une journée à sillonner les flancs du volcan,
Teiji et ses amis vont prier au temple de l'Iwaki. Selon les principes shintoïstes, le mont Iwaki, qui était une montagne sacrée pour les tribus Emishi locales, fait partie du sanctuaire. Sa fondation date de 780. Il a été reconstruit à plusieurs reprises. Ces jets symboliques de boules de neige sont faits pour éloigner les démons. D'autres temples complémentaires ont été construits tout autour du pied de la montagne. J'ai prié pour la santé de la famille. Il n'y a rien de plus important que tout le monde soit en bonne santé. Le ski, c'est juste un passe-temps, c'est un loisir. En revanche, les gens qui pratiquent la randonnée pour aller au sommet, ils vont avec plus de spiritualité. Bien sûr, ça dépend des gens. En ce qui me concerne, à chaque fois que je vais jusqu'au sommet, je joins mes mains avec gratitude et je prie. Quand je fais une randonnée sur le mont Iwaki, je vais toujours exprimer un sentiment de gratitude à l'égard de la nature et de ce qu'elle m'offre. Teiji emmène ses amis dans un petit restaurant qui propose des ramen, ces nouilles japonaises servies dans un bouillon. Celui-ci est un des plus connus d'Hirosaki. Il ne désemplit pas de la journée. Le chef s'occupe de cuire les nouilles qui sont faites à base de farine de blé. Il prépare le bouillon, tandis que son assistant dresse les grands bols. Dans toute la région, la soupe est à base de bouillon de sardines, alors que dans le reste du pays, il est souvent réalisé avec de la viande. L'originalité des ramen de Tsugaru, c'est qu'ils utilisent comme base de la soupe de sardines séchées. On y ajoute aussi habituellement beaucoup d'épices, mais ici la saveur du poisson est tellement présente qu'il n'est pas nécessaire de trop assaisonner. C'est pourquoi nous aimons ces ramen. Selon l'usage au Japon, les nouilles s'aspirent avec la bouche, parfois bruyamment. Teiji va finir sa journée avec son troisième métier, préparateur de ski. Son atelier est juste à côté de sa maison. Il aiguise les quarts, remet à plat les semelles, les fartes. Les Japonais sont très exigeants avec leur matériel. Là encore, sa compétence est reconnue dans toute la région. Pendant la saison d'été, je travaille uniquement comme guide. En plus de ça, une ou deux fois par mois, j'ai une mission comme moine. L'hiver, je travaille à mi-temps comme guide et moniteur. L'autre mi-temps, comme préparateur de ski. Pendant les festivals du temple, je ne me consacre qu'à l'activité de moine. J'ai appris à utiliser cette machine quand j'ai commencé à travailler dans un magasin de sport lorsque j'étais à l'université à Tokyo. Un
Un des événements de la saison froide à Hirosaki, c'est le festival de l'hiver au château, où l'on profite du froid intense et de la neige pour réaliser différentes sculptures sur glace. Les remparts et les grandes portes sont illuminés. On appelle ces petits igloos éclairés des kamakura, popularisés par la région voisine d'Akita. On les retrouve souvent l'hiver durant les festivals. Hirosaki en profite pour rappeler son identité en matière de Neputa, en exposant les grandes fresques utilisées ces dernières années pour fabriquer ces figurines géantes. Dans le village de Nizawa se dissimule un temple un peu particulier, qui rend hommage, selon la légende, à un démon, une sorte d'homme des montagnes qui les aurait aidés à construire un barrage dans la rivière en contrebas. Ce matin, tout le monde s'affaire pour préparer la cérémonie des Hadaka Maidi, la cérémonie des hommes nus. Ce temple s'appelle Oni-jinja, ce qui veut dire démon. Alors oui, c'est un nom très rare. On dit démon, mais en y regardant bien, c'est un démon sans cornes et plutôt gentil. Ce temple existe depuis 400 ans. La température est glaciale, aux environs des moins 5 degrés. Le public est venu nombreux pour soutenir les 40 valeureux volontaires. Devant eux, trois bacs d'eau quasiment gelés. En se plongeant dans l'eau froide, ils vont se purifier. Les prières qui accompagnent le rituel doivent apporter de bonnes récoltes et protéger les familles. Chacun d'eux devra se plonger dans l'eau à 8 reprises sans se sécher ou se réchauffer en dehors d'un feu de paille sur le côté. Le temple existe depuis 400 ans et c'est la 357e fois que la cérémonie peut avoir lieu. La croix dans le dos des assistants, c'est la manji ou encore svastika, symbole fort dans les temples signifiant amour et compassion, à ne pas confondre avec la croix gammée. La cérémonie n'est pas pour autant terminée. Le prêtre et ses assistants rassemblent maintenant les shimenawa, ces ensembles de cordes tressées à partir de paille de riz qui sont des protections contre les mauvais esprits. Les 40 braves ont eu le droit de changer de pagne et de passer des sandales. Le temps d'immortaliser les héros du jour, ils vont maintenant partir en procession pour faire le tour du village en portant les offrandes et les shimenawa. Le port le plus proche du mont Iwaki, c'est celui d'Ajigasawa, à une quinzaine de kilomètres vers la mer du Japon. Malgré le froid polaire, la neige, les vents violents, plusieurs bateaux sortent cependant pour la journée. Et lorsqu'ils rentrent, les cales sont pleines.
Quelle que soit la saison, l'activité ne s'arrête jamais. En particulier pour le calamar, consommé ici en grande quantité. Ici, on prépare soigneusement le kawaagi, un poisson qui se pêche sur les bancs de sable à proximité des côtes. S'il est délicieux en sashimi, on le sèche également pour être consommé ainsi ou l'ajouter dans des soupes. Dans une échoppe à proximité, les calamars sèchent avant d'être grillés. Celui-là, il est grand. Je vais le couper dans le sens de la longueur. D'habitude, je le coupe dans le sens de la largeur. Oui, je veux bien de la mayonnaise, merci. Et voilà. Merci. Cette liane qui sèche dans un entrepôt au pied du mont Iwaki, ce sont des akébis, endémiques aux monts Hakoda et Iwaki. Depuis des siècles, dans les villages des environs, elles servent à tresser en vannerie des paniers, des corbeilles, des pots. Koge Miyamoto a repris l'affaire familiale que l'on se transmet de père en fils. Les lianes d'akébi viennent de Iwaki. Ce sont les meilleures. Dans les autres régions, il n'y en a pas beaucoup. Ici, ça pousse à foison et elles sont de très bonne qualité. Nos ancêtres ont commencé à les travailler et c'est ainsi que ça a commencé. Il y a deux types de fabrication, ici dans un atelier ou bien chez des particuliers. Plus au nord, toujours au pied du mont Iwaki, dans le village de Higashimea, nous retrouvons Satoko que l'on avait vu pendant l'été planter son champ de riz avec son mari Hiroyuki. Elle travaille comme monitrice de ski avec Teiji. Elle cultive aussi des pommes. En cette mi-février, lorsqu'elle n'est pas sur les pistes, elle poursuit la taille de ses arbres avant la hausse des températures en mars. Pendant l'hiver, on taille les arbres. On coupe les branches qui vont grandir au printemps pour que les fleurs et ensuite les fruits puissent bien pousser et que toute la sève aille bien sur les branches qui en auront besoin. On passe environ une quarantaine de jours à tailler les arbres. Parfois, il y a du soleil, mais la plupart du temps, c'est comme ça, c'est nuageux. Il neige, c'est comme ça, et à la longue, c'est un peu triste. La qualité de la neige a un peu changé ces dernières années. Avant, elle était très légère quand elle tombait. Maintenant, j'observe qu'elle est plus humide. Avant, je n'avais pas vu d'orage l'hiver. Et là, maintenant, depuis 2-3 ans, on entend l'orage gronder en plein hiver. Oui, ça change. Dans le village, les cultivateurs stockent leurs pommes dans des hangars bien protégés. Celui de Satoko est situé dans une grande bâtisse en bois. À cette époque de l'année, il ne reste plus grand-chose. On produit 20 tonnes par an. On vend 1000 boîtes de 20 kilos. C'est grâce à toutes ces boîtes que nous faisons vivre toute notre famille. Elle
C'est surtout les clients de ski de Sakoto. Lorsqu'ils sont contents, ils viennent acheter des pommes. Ils payent pour la leçon de ski, mais en plus, ils viennent aussi nous acheter des pommes. C'est un bon cycle. Ce matin, Satoko est montée à la station d'Amaori Spring. Elle vient aider Teiji à encadrer un groupe de randonneurs à ski. Teiji présente à ses clients son équipe composée de Satoko et de Hiro. L'idée aujourd'hui est de monter à mi-pente du volcan. Au-delà, le vent risque d'être trop violent. Au sommet de l'Iwaki, il y a un temple. À chaque fois que je vais skier et que ça se passe bien, c'est parce que les dieux sont derrière moi. Je garde à l'esprit qu'il y a des dieux qui veillent sur moi et j'en suis reconnaissante. Depuis que je suis petit, j'ai toujours skié sur le volcan Iwaki. J'ai vraiment l'impression que je suis à la maison. Je suis calme et apaisé. Je suis heureux ici. De telles sensations sont réconfortantes. La différence entre un guide comme Teiji et un autre, c'est qu'il rappelle souvent que c'est grâce à la bienveillance de la nature que l'on peut avoir une belle vie. C'est ce qu'il nous fait ressentir. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il n'est pas comme tout le monde. La pointe nord de la région de Tohoku est faiblement peuplée. Elle est desservie par une ligne de chemin de fer à une voie bien loin des trains à grande vitesse qui relient les grandes capitales. En plein hiver, les écoliers l'utilisent avec un certain bonheur. Quelle que soit la météo et l'importance des chutes de neige, le train roule. L'originalité de cette ligne est d'avoir conservé pour une partie de la rame d'anciens wagons chauffés par un poêle à charbon. Une hôtesse propose de faire griller sur le poêle des calamars séchés qui distillent dans le wagon un subtil parfum. Satoko aime bien faire découvrir à des visiteurs comme Hiro l'originalité de ce train. Je mange du calamar séché. J'aime bien, c'est vraiment la spécialité locale. C'est très bon parce que plus on le mâche, plus la saveur ressort. Le train, c'est le moyen de transport utilisé par ceux qui n'ont pas de voiture. Et aussi par les écoliers de Goshokawara. C'est très important pour eux. Les écoliers empruntent en général le wagon moderne qui est mieux chauffé. La vieille gare de Hashonoko Park mérite le détour. Si elle continue à vendre quelques billets de train,
elle a été transformée en salon de thé tout en conservant le mobilier d'origine. Aujourd'hui, Teiji souhaite emmener Hiro vers un de ses lieux favoris, quasi inaccessible l'hiver, sauf en ski de randonnée assorti d'un minimum d'effort. C'est un Otenburo, une source d'eau chaude volcanique en plein air, en montagne, dans laquelle on se baigne avec délectation, surtout lorsqu'il fait froid à l'extérieur. Dans le Tohoku, cela fait partie du style de vie des gens. Avant d'aller au travail, ils vont se délasser le matin en se plongeant dans un onsen. Même cet onsen, qui est un Otenburo, est un endroit spécial. Pas uniquement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. On est détendu. Ici, c'est un bel endroit. Dans les grandes villes, tout va vite, le temps va vite. Les gens n'ont pas le temps de se reposer, de se détendre. Lorsqu'ils peuvent venir dans un lieu comme celui-ci, le temps s'écoule alors plus lentement. Enfin, j'espère qu'ils peuvent alors le ressentir et se détendre. Moi, j'habite à Sapporo. La différence entre Hokkaido et le Tohoku, c'est la culture. Ici, les traditions sont encore bien présentes. On y mange très bien aussi. Je ne dis pas que ce n'est plus le cas à Hokkaido, mais dans le Tohoku, c'est juste différent. Au pied du mont Iwaki, le restaurant d'Ikuko fonctionne même en plein hiver. Elle a réussi la performance de proposer de nombreux légumes et de champignons qu'elle aura cueillis l'été précédent. Conservés selon une méthode de déshydratation, ils retrouvent ensuite une fraîcheur étonnante. Le plat de l'hiver, c'est la kenoshiru, une soupe très dense pleine de légumes. Après avoir fait sécher les wallabies, les fougères, pendant l'été, on les réhydrate. Il faut ensuite les couper très fins, tout ça dans une grande marmite que l'on fait ensuite bouillir. Une fois l'opération terminée, on ajoute le bouillon et le miso et on mange ça à chaque repas. Ça facilite la tâche des femmes l'hiver. C'est une spécialité d'ici, de Tsugaru. Pour les pâtes au soba, son mari a cueilli le sarrasin sur des récoltes tardives, quasiment aux premières gelées, donnant une touche plus sucrée aux pâtes. Le lendemain, avec son groupe de clients, Teiji a invité Yukiko, la fille d'Ikuko, la restauratrice, qui habite Tokyo. Elle est venue profiter de la montagne pour le week-end. Le soleil n'est toujours pas au rendez-vous, mais il a encore neigé pendant la nuit. Ici, il y a beaucoup d'endroits magnifiques. Nous sommes entourés par la nature. Si on s'enfonce dans la montagne, il n'y a personne. C'est mystérieux. La neige est magnifique. Les gens sont très sympas. C'est pour ça que j'adore cette région.
Ici, dans le Tsugaru, à Tohoku, il y a beaucoup de neige. Et les saisons sont très marquées. Chaque saison a ses particularités. Chaque saison a sa nourriture. Nous avons une culture très particulière. Et c'est quelque chose que l'on ne trouve plus dans les grandes villes. Et c'est pour ça que cette région est magnifique.